What's up YouTube, c'est Stormer, j'espère que vous allez bien, ma perso ça va super les amis. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing, mais cette fois-ci c'est l'unboxing que je vous avais promis, le micro, le voilà. Alors juste, je vais retirer ce plastique noir parce qu'il y a mon adresse dessus. Ce serait très regrettable que vous la voyez. Alors, donc voilà la bête. Alors le carton est extrêmement abîmé. Ça, c'est un point qu'il faut noter. Alors, j'ai acheté ça sur l'application Geek que je vous avais présenté la dernière fois. Mais je crois que j'ai fait une erreur parce que j'ai dit dans ma vidéo que l'application était développée par Amazon et Wish. Mais en fait, cette fois, elle n'est développée que par Wish. Donc, voilà. Ok. Donc, la boîte est ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Oh, merde! Donc, on a un anti-pop. Je vais tout mettre là. Attendez, je vais boucher ma souris, je vais tout mettre là. On a une mousse de micro avec le câble pour brancher le micro dedans. Ne vous inquiétez pas, je vous remontrerai tout avec la boîte. On a le micro, le BM800. Ah là, il est magnifique. On a l'araignée, le câble pour fixer l'araignée. On a ça, donc pour accrocher le trépied. On a le câble pour brancher le micro. Qu'est-ce qu'on a de ça? On a une vis. On a des petites instructions et on a la fameuse. Oula, c'est quoi ça? Je vais peut-être perdre des trucs. Et on a la fameuse perche qui est très petite. Enfin, elle m'a l'air très petite. Alors, ouais, la perche m'a l'air extrêmement petite. Mais franchement, ça me dérange pas parce qu'en fait, j'ai un petit bureau. Donc, ça nickel, ça passera nickel sur mon bureau. Ah, mec! Ah, la perche, elle est méga stylée. Alors on va tout ouvrir. Je suis tellement content mon gars. Je suis tout excité. On dirait un gamin à Noël qui ouvre ses cadeaux, mais c'est ça. Mais c'est Noël en plein été. D'ailleurs il fait vachement chaud en ce moment. Hop. Et là en plus ce qui est bien avec ce micro, c'est qu'on a un filtre anti-pop. Et on a aussi la mousse comme ça. Enfin ça veut dire on peut mettre ça plus le filtre anti-pop. Alors je sais pas si je mettrai les deux. Mais c'est à voir, c'est à réfléchir. Alors ça, donc ça je sais que c'est pour accrocher au bureau. Mais je crois que ça va là. Ouais, c'est faut dévisser cette vis. Ok. Tac. Le bras est déplié comme ceci. Là on a ça adressé comme ça. Et ça, ça va là. Non, il y a un autre truc qui doit aller par-dessus, c'est pas possible. Ah oui, il y a ça. Voilà, c'est ça, là, ça se visse comme ça. Et après, c'est l'araignée qui va dedans. Bah, au pire, ce que je vous propose, je regarde comment monter le micro, etc., etc. Et bah, je vous reprends une fois que j'ai tout monté, donc je vous dis bah, tout de suite, tout simplement, voilà. Ok, ok, re les gens, donc voilà, le micro est installé sur mon setup. Voilà, j'ai mis... Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai mis 10 minutes, même pas, à l'installer. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'il y avait dans le setup. Donc, il y avait cette partie-là qui s'est fixée au bureau, donc là où il y a ma banderole. On a le pied qui monte ici, tac, tac, tac. Le micro qui revient juste sous ma bouche, donc ici. Je n'ai pas mis le filtre anti-pop qui est peut-être, donc il viendra se clipser ici. Donc, soit je le mets, soit je le mets pas, mais franchement... Juste la mousse, je pense que ça suffit, donc ça sert quasiment à rien que je mette le micro anti-pop. Donc là, ce que je vous propose de faire, hop, je vais bouger le micro anti-pop. Je vais prendre avec ma caméra le point de vue que ça donnera dans mes vidéos, histoire de voir à peu près ce que ça va donner. Et je pense après on s'arrêtera là. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour le test, voir comment ça fait. C'est pas le même ensemble que d'habitude, parce que d'habitude je filme avec cette GoPro qui a un angle beaucoup plus réduit que mon téléphone. Donc là avec mon téléphone on voit aussi ce qu'il y a derrière. Mais normalement avec ma GoPro ça s'arrête là à peu près. Donc on verra le micro, je verrai, soit je le relèverai comme ça, histoire qu'on le voit un peu mieux, parce que quand même j'ai pas acheté un truc pour qu'il passe incognito sur YouTube. Donc voilà, ça donnera ceci, on aura le casque dans les vidéos. D'ailleurs le casque qui n'est pas allumé, c'est n'importe quoi ça, je ne fais pas du bon travail. Tac, le casque qui est allumé. Donc voilà, on aura comme ceci le casque, le micro. Et donc normalement j'ai bien calculé, enfin j'ai regardé, quand j'utiliserai pas le micro, je pourrais logiquement
Non, non, enfin, j'ai calculé pour que j'utilise tout le temps le micro parce qu'en fait j'utilise vachement, même en dehors des vidéos, j'utilise vachement. Donc voilà, le micro est là. Franchement, je suis mais méga content. Bon, on va faire le trou là, vous savez quoi. Alors, je vais faire quelque chose de très important. Pour ceux qui voudront entendre le test audio entre ce micro là et le Samsung Meteor, donc, qui était mon ancien micro. Bas de gamme, on va pas se mentir. Je mettrai un lien dans la description d'une vidéo non répertoriée où j'aurai fait le test. Parce qu'en fait, enfin, je vais pas faire les deux montages en même temps. Je vais faire le montage avec le micro, enfin, avec les deux micros sur mon PC. Et sur mon téléphone, il y aura le montage de l'unboxing. Donc voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça fait extrêmement plaisir, franchement. Pour un unboxing de malade, j'ai pas dit combien je l'ai payé. Je l'ai payé 40 euros, donc il y avait 30 euros le micro. Plus 10 euros de frais de livraison. Donc voilà, ça arrivait vachement tôt. Ça, je tiens quand même à le souligner. Il était sur le truc. C'était écrit arrivé avant le 15 juin, le 14 juin. Et là, on est le 29 mai. Donc voilà, on est vachement tôt. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir que les trucs arrivent en avant. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu si c'est le cas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir. Allez voir le test micro dans la description pour ceux qui veulent savoir, ceux qui s'en foutent. Allez voir une autre vidéo de ma chaîne, ça fait plaisir. Ciao tout le monde, c'était Stormer.